Passez de bonnes fêtes sur la chaîne Sly Guy. Encore un Noël dans les tranchées. Et je vais vous faire une surprise. Ah ouais. Je vous l'annonce. Clash de la drague, bonus. Et oui, parce qu'on est jeudi. Ah ouais, ça c'est ah ouais. C'est pas le jeudi. Ah ouais. Ouais, mais je me suis dit 2018, soyons. Comme ça, allez. Ça n'était même pas rendu compte. C'est fou, hein. Attention, attention, on est prêt. Clash de la drague. Attention, attention. Ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? On est jeudi. Mais oui, mais c'est ça la folie. Mais c'est la folie. C'est ça la folie. 2018, l'année de la folie. C'est ça. Et oui. Alors, les clasheurs sont là, même un jeudi soir, vous êtes prêts 7 jours sur 7, c'est fou. Ouais, hein. Les beaux gosses. Toujours, c'est toujours là. Est-ce que tu nous as prévu une méthode bien fashion, bien 2018? Ouais, moi j'arrive avec mon home cinéma, tranquille. Ah, c'est bien 2018, ça. C'est bien 2018, ça. Ouais. Bah, on m'a offert home cinéma à Noël, donc du coup, j'aimerais t'es bien branché, le mater. Toi, comme mec. Ouais, je vais le brancher chez des familles et du coup, on va mater un petit film ensemble. Tu fais quoi? T'arrives avec ton magnétoscope? Ah ouais, putain, t'es loin, toi, t'es largué un petit peu. Donc, la méthode home cinéma, je m'attendais pas à ça, mais c'est bien d'être original. Bravo pour l'originalité, Cédric. Merci, merci. Bravo. Eh bien, moi, je rentre du ski, rien dans le frigo, rien à manger, je mangerai bien une tarte au poil pour mon retour. Ah, mais oui, une bonne tarte au poil. Ça rassasie. Ah, Samy Suceur. Ah, bah écoute, entre le magnétoscope et la tarte au poil, je prends la tarte au poil, gros. Ouais, tarte au poil. Eh bien, c'est parti, premier coup de fil, premier tour. Allez, chez Jean-Michel, c'est vrai. C'est parti chez Jean-Michel. C'est Jean-Michel. C'est à toi. Bonne chance. Allez. On y va. Allô? Allô, Jean-Michel? Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? Ça va? Bah, nickel, nickel. Dis-moi, je t'appelais parce que je me suis acheté un home cinéma là aujourd'hui. Oui. Et ce soir, j'aurais bien aimé l'installer et voir avec ta femme si elle veut pas venir à la maison et regarder un petit film. Bon. Là, dans la soirée, dans la nuit. En VHS. Oui, c'est ça. Là, j'ai un film porno là. Oui, c'est ça. Et je pensais à elle. C'est qui appelle là? Bah, moi, je m'appelle Michel. Enchanté. Michel. Enchanté, comment? Jean-Michel. Michel, comment? Bah, un ami de ta femme. Oui, c'est ça. De temps en temps, elle vient à la maison. Oui, c'est ça. Bon, j'aimerais bien lui faire l'amour devant le home cinéma, mon pote. Allô? Jean-Michel? T'as pas raccroché? Non, il est là, il est là. T'as pas fait ça? Non, il est là. Jean-Mich? Il a raccroché, je crois. Non, il est là, il est en ligne. Ah, mais il a posé le téléphone. La ligne est rouge, regarde. Oui, mais il est plus là. Tu l'entends plus parler, là, Diffoul? Non, mais je vois le truc, ça défile, regarde. C'est qui est à côté de toi? Ah, c'est un pote à moi, là, qui m'a installé le home cinéma, là. C'est Dominique? Ouais, c'est Dominique. Salut, c'est Dom, comment ça va? Dominique, comment? Bah, Dominique. Dominique Strauss-Kahn. Oui. Ouais. J'ai envie de baiser, ça t'intéresse? Eh, soir, on s'occupe de ta femme. Laisse-moi, je vais le serrer. J'ai envie de baiser, ça t'intéresse? C'est mon clash, t'es gentil. Ah, c'est pas grave. Allô? Comme il se passe rien dans ton clash, je prends le relais. Jean-Michel, bon, j'arrive, on va s'occuper de ta femme, nous. Ah, il te parle pas à toi. Eh, hey, c'est Dominique. Jean-Michel. Ah, toi aussi, tu parles plus. J'ai été obligé de m'incruster alors. Non, toi, tu fermes ta gueule. Non, mais attends, écoute. Toi, tu restes de ton côté. A priori, côté, c'est hop, open bar ce soir. Jean-Michel. Jean-Michel, mon amour. Eh, Jean-Mich. Bon, allez. Ah, il parle plus, fait un blocage. Bon, bah alors. Vas-y, Romano, il parle son appel, le mec parle plus. Il parle son appel. Ah, tiens, il parle là. Bon, Jean-Michel, on arrive, on s'occupe de ta femme. Si tu veux, je te ferai l'amour. Allez, hop, c'est réglé. Je débarque, merci. Allez, raccroche. Allez, hop là. Merci Jean-Michel. Il y a pas qui dit. Hop là, je t'en... Qui dit rien qu'on sent, merci beaucoup. Okay. Ah, le con, c'est toi qui sens. Qui ne dit rien, comme tu l'as dit, Cédric, il a pas dit grand chose. Non, bah écoute. Mais c'était super. Je pense c'est bien, Cédric. Tu non, l'as début, tu vois, même Romano dit, c'est bien. Tu n'as pas changé. Ouais, c'est ça, allez, ta gueule, toi. Romano, c'est ton coup de fil. Notez que Romano dit que c'était super, il voterait pour moi, lui. Ah non, certainement pas. Allô? Allô, oui. Jean-Marie? Ah bah tiens. Jean-Marie? Oui. Oui, comment tu vas? Qui c'est? C'est Jean-Louis, là, à l'appareil, du bout de la rue. Je reviens de vacances, là, je reviens du ski. Plus Jean-Louis rien... Jean-Louis, ouais. Plus rien dans le frigo, ta femme est là? De quel bout de la rue? Du bout de la rue, bah, tu sais bien où on habite, quand même. Quel Jean-Louis? Jean-Louis David, le coiffeur. Je connais pas Jean-Louis David. Mais ta femme me connaît très bien. Jean-Marie? Oui. Bon, dis-moi, là j'ai plus rien dans le frigo. Est-ce que je pourrais éventuellement venir manger une tarte au poil? En l'occurrence, celle de ta femme. Non mais oh, tu déconnes toi, non? Non, mais je vais arriver dans 5 minutes là. Mais oui. Bah oui, j'ai très très faim. Sa bonne petite chatte bien poilue là. Accroché à la gueule. Eh bien, merci Jean-Marie. Nique ta mère. Merci. parle pas mal. Allez, hop, ça c'est fait. Madame, très bien. Nous aimons la tradition de néo-nazis. Très bien.
Alors, ah oui, on avait Jean-Marie, mais c'est vrai, dis donc. Eh ouais, bon, alors Cédric, on en fait une. Ah bah oui, bien sûr. Vu ce que t'as fait. Attends, t'as pas fait mieux, gros. Hein. Cédric, bon, moi, il s'est passé un truc. Mais pourquoi tu te marres tout le temps à moi? Il y avait. Ah, bah là, parce qu'on joue l'un contre l'autre, espèce de. Ah, putain, j'ai pas me comparer à 10 foules, tu sais. Allô, allez, on est chez qui, ta gueule? René? Allô? Hervé. Hervé. Hervé, comment ça va? Ça va et toi? Bon, ça va nickel, tranquille. Dis-moi, je t'appelle là, je me suis acheté un home cinéma là à la maison. Moderne. Un truc dernière technologie. Attends. Allô? Avec le magnétoscope intégré. Ta gueule toi. Allô? C'est une combi, oui. T'es ouais, Hervé. Et ce soir, je voulais inviter ta bonne femme à la maison pour regarder un petit film. À Super 8. Allô? Oui. Ouais, je me suis acheté un film aussi avec. Ouais. On a téléchargé un film de cul là. Ouais. Un film porno là, il paraît que ça va l'exciter la belle. Ah ouais, il faut, ouais. Bon, bah nickel, écoute, ce que je fais, c'est que je viens à la maison, je récupère ta femme, je l'emmène à la maison, on se mate un petit porno, puis je lui fais l'amour. Bah voilà, ouais. Nickel, ah bah j'arrive dans 5 minutes, mon pote. Ok, à tout de suite. À tout de suite, mon chéri. Mais comment tu fais? Tu déplaces ton cinéma? Je vais te faire l'amour, bisous, à tout de suite. Avec ton combi DVD. Non, mais tu écoutes quand je parle. Non, j'ai dit, je vais chercher sa femme, je la ramène à la maison, t'es complètement con. Eh ouais, insérage, allez hop, bim, dans ta gueule, mon pote. Un bim bam boum. Ah putain, j'ai serré. Et pourquoi il n'y a pas de bip bip là? Parce qu'il est en panne. Ah, c'est Renaud qui envoie les bip bip. Il y a un problème technique. Non, je veux un bip bip. Bah oui, mais c'est lui qui les envoie. Bah, tiens, voilà ton bip bip. Putain, t'es vraiment une saloperie toi en fait. C'est pas le bon. Je veux un bip bip. C'est pas le bon bouton. Merde. Bah bien joué, Cédric. Merci, merci. Ça, c'était du clasheur. Ça, c'était bien. Eh voilà, ouais, mon pote. C'est pas non plus. Bah si. Excuse-moi. T'es pas vachement rentré dans les détails, quoi. Bah si. Tellement en panique que le mec raccroche. Mais tu veux quoi de plus? Je vais chercher sa femme. Ta gueule. On se mate un porno et je lui fais l'amour. C'est ma musique d'arrivée. Ah. Place à Romano. Il est jaloux, c'est grave quand même. Il est mauvais joueur, ce sale chou. Ah, ta gueule. Bah, c'est la vérité. Ça lui fait mal à la tête, là. Attention, il a serré le dernier coup de fil. Là, maintenant. T'as la pression, la gueule. Bah, j'attends que ça décroche, moi. Bah oui. Bon, Philippe, il doit être en train de. Laisse la couler douce dans son bed. Ah. Allô? J'en veux pas. Répondeur. Si, si, parle. Non, j'en veux pas. Dis allô. Je refuse. Allô? Ta gueule. Allô Philippe? Non, mais je crois qu'on est sur un répondeur, mais que le mec ne sait pas l'utiliser, il n'a pas su faire rentrer. Ah, je message. Crois qu'il a décroché, raccroché, mais il a mal raccroché. Bah, écoute, c'est pas le seul, Cédric, c'est pas l'utiliser non plus, il est en train de laisser un message. Mais n'importe quoi, il n'y a pas eu de bip, imbécile. Bah. Allez, un autre. Tiens, il y a un bip normalement dans le répondeur. Olivier. Qui est pas con quand même, hein? T'as un peu? Ah, Chidi, il a décroché, il a mal raccroché. Les familles merci veulent pour pas. Ton analyse, Cédric, était très intéressant. Allô, allô, allô. Allô? Allô? Ouais. Olivier? Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas? Ça va? Ça va, nickel. Et ta, ça va bien. Et ta petite femme? Tout va bien. Tout va bien. Je vais avoir besoin d'elle ce soir, là. Ouais, mais c'est qui? C'est Jean-Louis, là, à l'appareil, j'habite au bout de la rue, là. Je reviens de vacances, là, je reviens du ski. Et je viens de me rendre compte, plus rien à bouffer dans le frigo. Est-ce que ta femme, éventuellement, pourrait me faire un petit plat? Pour la remercier, je lui fais l'amour. Bah, je sais pas, il reste peut-être des cornichons, puis deux, trois trucs, quoi. Ouais, bah, je vais arriver dans 5-10 minutes, là. Le cornichon de ta femme. Un beau cornichon, le cornichon de ta femme, oui. Non, bah, ma femme peut pas avoir de cornichon, du coup. Un petit cornichon, si, clito. Ouais. Ouais. En tout cas, elle a une bonne tarte au poil, là, je vais la bouffer, celle-là. Ouais. Je vais arriver dans 5-10 minutes, là. Ouais. Bon, bah, écoute, c'est nickel. On mange les cornichons, on s'envoie en l'air, ça va être la folie. D'accord. À tout de suite, alors. Ouais. Bisous, ma poule. Y a pas de bisous, détails, là. Bisous. Bah, mes détails, t'en veux quoi? Je bouffe la chatte. Mais c'est t'as vite zappé, je trouve. Ouais, je bouffe la chatte. Ah, là, et eh bah, c'était super, dites donc. Bah, ouais, c'est bon. Bouffe la chatte. Pour un clash, un jeudi soir, c'est bien, c'est bien. Ça, toi, tu veux des détails, parce que tu veux de plus. Hein. Ouais, bon, t'as vite zappé, je trouve. Les résultats arrivent. Bravo. Résultat du clash, qui sera le meilleur pour ce clash du jeudi soir? Eh bien, on vous dit tout dans un instant. Bienvenue sur la chaîne de Sly Guy. Ciao. Et vous entendez ça? Bah c'est une feuille, alors, c'est une feuille, c'est une feuille, mais c'est pas n'importe quelle feuille. Une feuille qui est peut-être ton avenir en jeu. Ah bah il est en stress. Oula, ah bah tu vois, il est en stress. Et c'est très serré pour les résultats du clash. Ah ouais? On a fait un clash exceptionnel en ce jeudi soir. Et ça réussit au suspense. 52-48. Ah, ouais, c'est ça. Oh, ah ouais, serré, serré, ouais. Ça me fait serré, 52-48. Ah non, je commence pas l'année. Vous voulez pas que je vous fasse gagner tous les deux? Ah non. Ah non, bah non. Non. Moi je veux gagner tout seul. Eh ben écoute, tu vas perdre tout seul puisque tu fais 48, Cédric. Ah, je veux bien gagner tous les deux finalement. C'est trop tard. Non, bah non, laisse tomber. De toute façon, moi je veux pas de toi sur mon podium. Putain. Vous avez qu'à être gentil. Oui, là, tu fais peur à ma team. C'est quoi, okay. Eh bien, merci mes amours. Merci. Merci de m'avoir offert ce beau titre. Putain, c'était serré. Je vous embrasse. Voilà. Merci la team. On aurait pu le baiser, la team le Et à demain pour le prochain clash, du coup. Eh oui, demain, prochain clash. Collector.
demain soir, soyez là. Et le retour du Clash en direct lundi. Bien sûr. Lundi soir. Ouais. Sauf si Cédric a décidé de prendre sa retraite, je comprendrai. Tu prends pas ta retraite en 2018. Mais jamais de la vie, t'es fou toi quoi. Bon.